collègue ministre, il mentionne vite fait de son ministère, mais uniquement pour pension vieillesse, il peut dépenser 14,3 milliards de roupies. 14,3 milliards de roupies. Donc démontrer la volonté de ce gouvernement-là pour nous aider, pour nous donner considération, pour nous aider. Parce que pour moi, bonheur, bien-être de nous aider, il peut nous prix ça. Il peut nous prix. Et nous avons le droit pour vivre et pour vieillir dignement. On va construire deux maisons de retraite. Deux maisons de retraite qui modèrent. On va être content qu'ils nous puissent faire ça. On va être content qu'ils tout nous soient capables de prendre soin de mal grandir. Mais la situation est telle qui donc nous disait, nous, comme un gouvernement, nous assumons nos responsabilités. Nous prenons soin, nous prenons compte de ce mal grandi là qui reste seul et qui, au bas de l'échelle, qui met les moyens nécessaires. Dans toutes les facilités qui visent, et pour une, et la sécurité qui visent, et nous prenons un bon environnement pour qu'ils soient capables de vivre une vie active et une vie qui saine. Maintenant aussi, le bus replacement scheme, parce qu'il nous réalisait combien de grands diplômes. Et même, parce que ce grand diplôme, qui est en situation de handicap aussi, quand c'était là pour en transport public, qui veut dire qu'il y a une difficulté pour capable même prendre un bus. Alors, van semi, low flow buses, de plus en plus, pour vivre en circulation. Un grand applaudissement pour le monde. Tout le monde, quoi d'en haut. Merci beaucoup.